Nous disons, nous tous, bonsoir, comment nous est, tout le monde en forme, nous bien contents, nous là ensemble, pour nous continuer pour nous. Donc, pas oublier, semaine passée, nous avons fini avec conjugaison. Donc, nous avons fini, nous avons conjugaison dans passé, présent et futur. Donc, nous disons, modèle passé, nous, dans verbe en IR, ER, AR. Là, nous connaissons trois groupes. Trois groupes de verbes en portugais. Like, groupe de verbes, c'est qui ça? C'est verbe en IR, en ER et en AR. Donc, nous finissons avec eux, nous sommes déjà, nous avons un modèle de nom, mais nous, c'est seulement, nous avons besoin d'appliquer eux dans la conversation que nous avons chaque jour. Aujourd'hui, nous parlons un bagage important. Ça, nous parlons aujourd'hui, nous parlons article. Article. Nous connaissons en français, comment on définit article? En français, on définit article, on dit qu'il y a deux types d'articles. Il y a article défini et article indéfini. Bon, qu'on y a en question. Qui rôle un article? Qui pape qui rôle un article devant un nom? Le plus souvent, depuis un article là devant un nom, quel que soit un article ou qu'on mette devant un mot, qui ça le fait? Il change sur tu mot. Même que c'était un verbe, une fois que on mettait un article devant lui, donc il changeait totalement et grammaticalement verbe là. Verbe là, il n'est pas verbe encore, il venait un nom. Un nom. Si nous prenons par exemple lever, lever, c'est un verbe. Mais si nous dit le lever du soleil, le lever du soleil, une fois que vous mettez le article devant lui, il change de verbe, il vient un nom. OK? Donc, c'est comme ça, un exemple. Donc, l'article dans lui-même, il a un rôle fondamental dans la formation nom. OK? Donc, il y a un article défini et un article indéfini. On a comment? Qui aime utiliser un article défini? Moi, utiliser un article défini, c'est là que moi, j'ai une information. De nom que m'a utilisé ya. Objet que m'a utilisé ya, moi gen information de lui. Moi clair sous lui. Moi utilisé un article indéfini, c'est là que m'a pas gen information sous nom m'a utilisé ya ou bien sous mot m'a utilisé ya, mot ou bien nom, pas un problème. OK? Donc on y a nous vinn comprendre. Par exemple, manon un exemple en français. Si je dis en français, si moi dit j'ai rencontré un homme, hein? J'ai rencontré un homme. Un homme, c'est vague. M'pa konn moun, son inconnu lié pour moi. J'ai rencontré un homme. Un article indéfini. Nous konn ça. Donc on a si me dit j'ai rencontré l'homme qui disait Cet homme que j'ai rencontré et moi gain connaissance de cet homme là, moi gain connaissance de lui, et ça fait moi utiliser article défini, hein, mais elle a pour soi qui a article défini, hein. Nous connaissons les articles définis en français sont le, la, les et elle a pour soi. Le, la, les, elle a pour soi. La pour le féminin, le pour le masculin, elle a pour soi pour les deux genres, féminin et masculin. Et les pour le pluriel. Nous connaissons ça bien. Et article indéfini, nous connaissons une des. Article indéfini en français. Bon, m'a misé sur vous pour nous capables de faire courant aujourd'hui. OK? Qu'on y a en nous partager tel pour nous capables et continuer. On partage tel là, en aller et bon, comme nous toujours faisons, nous toujours remercier tout le monde qui encourage, qui a encouragé le canal là avancer, ou même qui fait commentaire, ou même qui toujours partager. Nous disons merci pour ça. Nous demandons pour continuer à faire ça. Et ou même tout, qui toujours accompagne nous dans tout bagaille que nous faisons.
Chanel là qui a fait un message pour moi, qui a demandé moi qui court, que m'a fait semaine ça, donc comment courir à pied, etc. Donc nous disons merci pour ça. Je dis nous continuez à partager courant, continuez et commenter, continuez like courant pour nous capables d'avancer. OK? Bon, en nous commencer. On a commencé avec article défini. En portugais, comment on dit article? En portugais, on dit artigo. Artigo. Et c'est ce qu'on va signer. Et artigo. Artigo definido. On va déjà signer. Artigo definido. Alors, là, ça, j'ai quelques colocats. No plural. On coloca no plural, va ficar artigos definidos, né? Artigos definidos. Agora, pessoal, vamos ver os artigos definidos em português. Em português, a gente tem, no ganha artigo definido em português, no ganha ser o que significa. O que signifie le? Dis-nous ça, ma mise sous français pour nous capable faire quoi avec nous. Et nous gagnons A. Et nous gagnons A. A qui signifie là. A qui quer dire là en français. Et nous gagnons. Et comme dis-nous ça, en portugais, gagnons deux pluriels. Né? Existe. Dois plurais, existe pluriel féminin et pluriel masculin. En nous, par exemple, as, en nous, os, si me dit os signifie lait. Os signifie lait. Agora, la pessoa as signifie lait également. Et signifie les également. Kounia, en nous, ouais, ça nous pral fait de yo. En nous dit, par exemple, en nous dit les os, les, en nous mettez masculin entre parenthèses, dans ça, pour nous capables comprendre bien, masculin. Ça, c'est les masculins pluriels, né? Masculin pluriel. Non, mais c'est PL, qui a dit pluriel. Angola, en nous, les avec as qui signifie les ça lui-même, c'est ça, nous mettons masculin pluriel. Et bon, deux choses terminent comme pluriel. Né? Masculin pluriel. Et Kounia nous gagne as. Astan lui-même, qui a dit les tout, mais c'est les avec qui ça? C'est les féminin pluriel. Féminin et pluriel. OK? Féminin pluriel. Comment tu dis non? Ma misère souffrance pour me faire quoi? Hein? Souffrance pour me faire quoi? Parce que nous connaissons le créolage difficile pour jouer certaines choses. OK. Ça nous gagne devant nous là, nous gagne. Les articles définis devant nous là. Né? Les articles définis. Articles definidos. OK. Kounia, comment on peut le placer, article ça? Comment on peut le placer? En nous faire exemple. En nous faire exemple. Le, en nous prend exemple pour le. Né? Et si nous prenons exemple ça, nous allons comprendre. Si nous dit o aluno. O aluno aqui, significa o quê em francês? Em francês significa l'élève, né? L'élève. Gente, tá obrigé utiliser francês pour nous comprendre, né? Quer dizer l'élève. L'élève. Et maintenant, si nous gagnons A, on dit un exemple, vamos dar un exemple de A. A Luna. A Luna.
Et c'est vous usez le même nom, mais pas chez TD. Aluna signifie OK. Aluna signifie les élèves signifie l'élève, mais c'est l'élève féminin. Ou aluno est l'élève masculin. Ici, vamos colocar MS. MS, qui disait masculin singulier. Né? Masculin singulier. Et ici, vamos colocar, en nous mettez, vamos. Et ça qui est l'élève également. Mais ça qui est féminin. Né? Elle est l'élève féminin. L'élève féminin, ça n'a fait en nous mettez F féminin singulier, FS féminin singulier. Nous capable comprendre bien. OK. Donc on a nous gagné un exemple, né? O aluno, l'élève, né? Aluna, l'élève. Parce que disait, né? Youn pour le féminin, youn pour le masculin. Et qu'on y a en nous, agora, vamos continuar com os as, né? Vamos continuar com os as. Aqui, pessoal, os, en nous prend, par exemple, os alunos, aqui vai abanou les élèves. Vou sempre usar élèves para a gente entender. Les élèves, vada, élèves que nous avons là, c'est qui ça? C'est élèves masculin pluriel, né? Masculin pluriel. Aí, mettez P, MP, qui signifie masculin pluriel. Et maintenant, vamos continuar. Et si nous gagnons as alunas, et o exemple aqui, et as alunas, o exemple, as alunas, les mêmes tout là-bas, nous qui ça, là-bas, nous, les élèves. Les élèves et les élèves. Même tout le bas, nous, les élèves. Mais, nous mettons qui ça? Là, nous mettons FP, qui signifie féminin pluriel. Féminin pluriel. OK? FP. Féminin pluriel. Bon, pluriel, nous mettons L. FPL, pour nous capables de comprendre bien, là, tout, on mettait FPL, qui c'est masculin pluriel, l'ingénieur. OK. Donc, ici, nous avons les articles définis. Né? Les articles définis, répétons-nous, vamos répéter, pour entendre. Os articles définis sont O, A, OS, As, o, a, os, as. En français, o, le, a, la, os, les, et as, as, les également, mais c'est les féminin pluriel. Os, les, masculin pluriel. OK? Et maintenant, vamos continuar com os artigos indéfinis, né? Vamos ça, pessoal. En aller, n'a point article indéfini, né? Et articles indéfinis, article indéfini, articles indéfinis en portugais. A gente sabe, em francês, os artigos indéfinis em francês é un, des. Un, masculin singulier, une, et féminin singulier, des, féminin pluriel pour les deux genres. Né? Pour les deux genres. OK? Mais
1 et en portugais, comment va ser, né? Comment yo pralye? Comment va ser? En ouais, nous gagnons article indéfini, c'est un, un chiffre un, qui a dit un, et ouma, qui a dit une en français, et nous avons ons, et ons, en français, en créole, l'a dit kek, hein? Et en français, c'est quelqu'un masculin, ons, qui signifie quelques-uns, mais quelques-uns, ma bonne signification, mais grammaticalement, et quelques-unes. Bon, on va prendre nos quelques exemples pour nous comprendre. Et on va peut-être monter haut avec nous. Et nous gagnons un masse também, nous capable dire et quelques-unes. Bon. Et signification est quelques-unes. Bon, nous connaissons en français, nous utilisons quelques-uns. Quelques-uns, il n'y a pas tellement utilisé. C'est français qui paraît. Français soutenu. Hein? Français soutenu. Il n'y a pas utilisé couramment dans la famille. OK? Bon, maintenant, comprendre. Qu'on en aller. Nous gagnons ça ou j'ai au son est ou qui signifie un. Ouma signifie une. Ons quelques-uns, oumas quelques-unes. Hein, ons quelques-uns, ouma quelques-unes. Agora vamos pegar exemplos, né? Nous faire exemple. Si nous dit est homme. Homme signifie yon nom. Yon nom. Hein, là-bas nous yon nom. Hein, en créole, hein. Yon nom. Homme, yon nom. Bon, on met que comme ça, ok? Yon nom. Maintenant, si nous avons à gola juste un saki, ou ma mulher, né? Un, par exemple. On fait un exemple ici. On fait un exemple. Et ou ma mulher. Ou ma mulher, hein, la banon, yon femme, ok? Yon femme, ou ma mulher, yon femme. Et agora, nous gagnons onze quelques-uns, ou mas quelques-unes. Comment ça, banon? On allait pour nous, ouais, on nous prend un exemple sur ça, ons, et on exemple qui m'apprend, ouz homens, à qui, perso? À qui est kek neg, né? Kek. Comment on dit kek? Je vais te compter, kek neg, né? Kek neg. On va se voir comme ça, hein? Kek neg, ok? On, hein? On zomis. Kek neg.
Vamos pegar o mesmo exemplo para a gente, né, ficar bem entendido, né? Para ficar bem comprando. Cunhar umas mulheres. Umas mulheres. Umas mulheres. Sassabano, né? Umas mulheres. Que fome? Não é? Exato. Abano quer fome. Quer fome. Ok? Umas mulheres, quer fome. Bom, aqui se atitio no guiná, né? Temos artigos definidos e artigos indefinidos. Artigos definidos em português são o, a, os, as, né? O, le, a, la, pardon, os, les, masculin pluriel, et as, les, féminin pluriel. Et nous gagnons article indéfini, qui c'est article indéfini qui c'est un, né, qui c'est un, qui quer dire un, né, uma, qui quer dire une, et uns, qui quer dire quelque, et umas, qui quer dire quelque também, né, quelques-uns, quelques-unes, né, en français. Et si nous disons un homme, né, un homme, un homme, uma mulher, né? Uma mulher, une femme, né? Ou une femme, ou bien une femme, un homme, ou bien un homme, et quelques-uns, né? Quelques-uns, quer dizer quelques-uns, umas, quelques-unes, né? Uns homens, né? Quelques hommes, en français, en créole. Donc, on est nègre, umas mulheres, qui signifie quelque femme. Bon. Et, pessoal, c'est là que nous avons fini pour aujourd'hui. C'est là que nous avons fait avec quoi? Avec nous pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous avons article défini et indéfini en portugais. Semana que vem, vamos trabalhar mais, né? Vamos trabalhar mais esses artigos para entender melhor. Vamos praticar. Vamos fazer exercícios, né? Eu vou fazer exercício para não comprar. Bom, para não terminar, vamos dizer que, como quando eu me fico na faculdade de letra aqui, que eu vou citar no livro, comprando, vai precisar citar no livro. E na faculdade, sabe, tem grande pilha Haïtien qui a composé, né, dans l'examen, qui a composé, qui a gagné et certificat. Donc, ça, moi, mon résultat est là même là. Ok? On est professeur Melo Boa, moi, je veux le résultat au bon moment pour moi. Et le résultat est là, moi, j'ai un pile Haïtien qui n'est pas bon. Né? J'ai un pile Haïtien qui n'est pas bon. Pas seulement Haïtien, moi, j'ai un Africain, j'ai une autre nation. Tout. Ok? J'ai un pile monde qui est bon, un pile monde qui n'est pas bon. Donc, on a ça, me t'a voulu dire, nous. Moi-même, moi préparer mon pour genre de examen ça. Donc, si on a besoin passer un examen, par exemple, sans problème, ou voulez passer un examen, vous êtes capable de venir, né, entrer en contact avec moi, discuter sur ça. Et m'a dit qui ça pour faire. OK? Et donc, nous connaissons, nous avons l'école tout. Si vous avez besoin d'apprendre portugais, vous êtes capable de venir, inscrire dans l'école là, ou pas payer cher dans l'école là, OK, pour apprendre portugais. OK. Donc, entrez en contact avec moi parce que nous connaissons certificat selon langue, selon pays. L'important pour gagner certificat langue pays, l'important tout pour parler langue. OK? Donc, moi ouvert, m'attend nous. OK? M'a dit nous à la prochaine. Continuez partager quoi et continuez et commenter et sous jeune canal là, sous fait jeune canal là, faites tomber sous canal là, pas oublier inscrit. OK? À la prochaine. Bye bye.